Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui pour une visite sur le tombeau de Rachel, Kever Rachel Imenu, qui est enterré à l'entrée de Bethléem, sur le chemin, comme les versets le disent, Bederer Bethléem I Ephrata, à savoir que nos sages nous demandent pourquoi Jacob Avinu, n'a pas enterré Rachel sur le chemin, au bout, comme a fait son grand-père Avram, qui a été enterré Sarah jusqu'à la Marat Amarpella, la grotte de Marat Amarpella. Pourquoi il l'a enterré sur le chemin entre Yerushalayim et Hebron, à même le chemin? Nos sages nous disent pour deux raisons. Il y a un des Midrash qui raconte que Avram Avinu a eu une névoie. Il a compris que Rachel était un pilier du judaïsme, qu'elle était la mère, celle qui avait du mérite, et que pour elle, il devait être enterré sur le chemin pour que quand les Bnei Israël partiront en exil, ils iraient prier sur son kever, et que quand ils reviendront, ils passeront d'abord par elle, et qu'elle sera comme ça un certain symbole qui garde le peuple juif avec cette promesse de revenir en Eretz Israël. Il y a une vingtaine d'années, l'entrée du tombeau Rachel était ici. On était à même la route, la nationale de Jérusalem à Bethléem, la route 60, Kvish Shishim. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu l'intifada et on a dû, pour des questions de sécurité avec Bethléem, construire un mur en béton tout autour de la muraille, tout autour du tombeau. Et aujourd'hui, le tombeau est fermé. Les gens viennent prier, les femmes d'un côté, les hommes. Il y a un kollel où on étudie la Torah aussi 24 heures sur 24. Il y a de la kdusha, il y a de la tzniut. C'est le tombeau de Rachel. À savoir que ce tombeau-là, on a des écrits de plusieurs générations qui disent que les Juifs viennent ici, sur le chemin, prier par le sroud de Rachel pour revenir en Eretz Israël. Qu'on a la promesse, Veshavum Eretz Oyev, vous reviendrez au pays de vos ennemis, Veshavum Banim Legvulam, vous reviendrez à vos frontières. À savoir que la coupole est d'époque, c'est ce qui nous reste aujourd'hui des photos qu'on connaissait d'il y a une vingtaine d'années avant la deuxième intifada. Et on a là-bas une écriture en hébreu qui montre que Moshe Montefiore est venu ici il y a 150 ans et a racheté d'argent coûtant à l'époque des sultans des Ottomans le tombeau de Rachel et le mur des Lamentations. Et Hebron aussi, il avait fait un accord là-bas. Tout ça pour donner aux Juifs la possibilité de venir quand c'était dans des moments difficiles. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut venir ici facilement à 15 minutes de Jérusalem, en voiture, à pied, à vélo ou en bus. On peut venir chez Rachel Imenu, celle qui a le mérite que la Géoula doit venir et qu'on avait le mérite de revenir en Eretz Israël. Vous êtes les bienvenus à Bethléem, au tombeau de Rachel, quand vous le voulez. Pour vous rendre sur le tombeau de Rachel Imenu, rien de plus simple. Depuis Jérusalem, au centre-ville, rejoindre la rue Derer Hebron, en direction du quartier de Guilo. Une fois à Guilo, le tombeau vous sera indiqué. Très bonne prière à tous.